ça marche. Monsieur le Président, le roi dit, il a pris que vous venez chez lui, il lui dit bonjour, le salut, vous dites, vous êtes arrivé. C'est ainsi, il a appelé sa jeunesse, ses jeunes, ses vieux, il lui dit que il y a mon fils qui arrive. Vraiment, venez. On va lui dire, bonne arrivée. Il a entendu, et effectivement, vous êtes arrivé. Vraiment, c'est pour ça qu'ils sont là ce soir pour vous attendre. On n'est pas dit ce matin. Parce que c'est depuis le matin que nous sommes arrivés, nous avons un peu parlé là vous, monsieur le Président, parce que vous êtes arrivé. Comment? Moi, c'est Maïk, mais ici, on m'appelle Droba. C'est lui qui m'adresse. Comment? C'est lui. Non. C'est à toi? C'est à moi, oui. Ton nom? Oui. Ton nom? Lucien. Moi, c'est Lucien. Non, ça, c'est pas un nom pour l'ombre. C'est Kofi. Kofi? Voilà, Kofi. Vous voulez que Kofi? Je suis au Kapolo. Mais il faille, bon, là. Mais le colchon. D'accord. Mais c'est l'ami. Ah, famille, hein. Famille, l'ami. Il faille les prêts d'abord. Monsieur le Président, chez nous en pays bon, il y a toujours une deuxième nouvelle. Donc le roi des Abouins du Côte d'Ivoire vous demande la deuxième nouvelle. La deuxième nouvelle, je pense que je comprends pas ce que je suis venu avec des gens qui ne comprennent pas pour l'amour, ils sont là, ils ne comprennent pas. Donc pour eux, je vais parler en français avec l'autorisation du roi. Donc Dablo, le bon amené plat considéré au début du vie. Oui, les boys casseront. Le bon père quand pour la moyenne. Moi, amené plat considéré, on connaît le mot français. A dit profond. Chez nous, en Afrique, quand tu es un enfant, quand un gros problème t'est arrivé, et qu'on t'a enlevé dans le village, pour t'amener ailleurs,
souvent, ça fait mal à ton papa. Mais il pleure à l'intérieur de lui-même. Et il prie que tu reviennes. Quand tu reviens, tu dois revenir à la maison. Pour dire, ah papa, je suis revenu. Comme je vous l'ai dit, je suis certes pété. Mais c'est ici, dans le pays bon, que j'ai fait toute ma vie. Mais je me considère donc comme un enfant d'ici. Et la plus haute autorité du pays bon, c'est notre roi. J'ai été à Dibéboua. J'ai été à Dibéboua pour dire à mes parents qui m'ont accouché que je suis venu. Et ce sont les bêtises. Je suis venu au pays bron pour dire à mes parents qui m'ont éduqué que je suis revenu. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Pour dire à mon papa et à mes parents que j'ai été aux Pays-Bas. Suite à ce qui s'est passé dans notre pays, que là-bas, j'ai été innocenté, j'ai été acquitté. Cette bonne nouvelle-là, je suis venu la porter au roi. Ensuite, dit au roi que quand je suis venu, je me suis engagé dans un processus de paix. Pour rassembler de nouveau les filles et les fils de Côte d'Ivoire. Ah, ça c'est une tâche très difficile, surtout dans ce pays-là, au vu de ce qu'on a connu. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Moi je veux rassembler. Je ne peux pas avoir une position tranchante. Parce que ce qui est tranchant, ça tranche. Ce qui tranche, ça coupe. On n'a plus besoin de ça dans ce pays-là. Je prends les bénédictions de mon papa avant de parcourir toute la Côte d'Ivoire. Donc depuis hier nuit, je suis dans le pays bon. Je suis venu pour saluer pour cette prière. Je suis venu pour en prendre encore pour que la mission de paix que je vais engager soit accompagnée des prières de nos pères. Je vous remercie. Mela o de tutuni ahorin ora le le amum muyilegu no wa ba stranda go oni yakon bo bi da go oni yakon mela le bo bunye o de poka ahorin ora le aha manisi mem le kai mene ba stra bulbere ora le fai hoya school mela betesel afa ba play bo gona ba ko pe Monsieur le Président, rapidement. Non. Okay, c'est que vous avez entendu. Non. Tu vas faire une erreur. Allez, d'accord, Monsieur le Président. Tu veux me traduire dans ma langue.
Bien sûr, on va t'as dit. C'est Dieu aussi. Au bon drôle. Yo, Cameron Tiamé. Ma mom qui l'a, Hassan. Moi, je me répète. Dieu, mon nom, mon nom, mon nom. Oda, Bibel Lucien. Moi, il y a un peu de temps pour faire le bopé du président Charles Bloubé. Elle est nous en Monsieur le Président, je n'ai pas rien encore, je suis en train de vous tailler. De vas-y quand même. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Le roi, autant pour moi, hein, monsieur le grand Plango, je voulais faire un film pour vous. Ce que le grand frère a dit. N'importe quoi. Vous dites que vous êtes trahi, alors que je ne vais jamais vous trahir. Non, non, non. Voilà. Il n'y a pas de trahison sur le plan. D'accord. Donc, rapidement, le roi dit, vous êtes son fils, vous êtes allé en prison. On vous a changé. Demande quand ton fils en prison, toi le père, quand ton fils en prison, toi le père, vraiment ton ventre, vraiment, vous donne. Parce que tu ne sais pas s'il va rester ou il va revenir. Et avec ses prières, effectivement, vous êtes arrivé. Et vous êtes arrivé, vous êtes bêté, mais vous êtes arrivé, vous êtes fils ici. Vous avez grandi ici, vous avez fait le parcours scolaire ici. Vous êtes venu saluer votre papa. Ensemble, vous êtes revenu avec ton mot, la paix. Et c'est pas facile pour quelqu'un de dire je suis allé en prison, je suis sorti, je viens, je vais me venger. Vous êtes venu me dire je suis venu pour la paix, pour réunir mes frères et soeurs, mes parents, mes enfants, pour que nous soyons un, pour que ce qui est arrivé hier n'arrive pas encore aujourd'hui. Donc voilà un peu ce que maintenant le roi dit il a vu une délégation, c'est pas tout le monde qui connaît, donc il demande. D'accord, non, tout d'abord, ce que le porte-parole venait de dire, c'est de présenter le royaume, voilà, aux étrangers qui viennent d'arriver, à tous ceux qui sont venus, selon qu'à son fils et à toute sa délégation, voilà, leur dit que vous êtes arrivés chez nous, mais ceux que vous avez trouvés là, les voici, voici qui est votre frère, qui est votre soeur, et c'est ce que nous allons faire maintenant, monsieur le président. Avec bien sûr votre permission. Donc nous avons sur le trône le roi d'Hébron, Nana Adjumon. Nous avons juste à sa droite le prince du village d'Amonvi, Nana Amangwa. Nous avons également devant le roi et le prince, nous avons la reine mère du village. Juste à la gauche du roi, nous avons le chef de terre, le Doukti, voilà comme on l'appelle, comme vous le savez, voilà, du village également. Nous avons juste à ses côtés, c'est un notable du roi. Voilà, monsieur. Et je pense que nous avons là, en orange, le président des jeunes du village d'Amonvi. Et les autres, je pense que ce sont les notables et tous ceux qui font la cour du roi. Voilà, nous avons notre grand frère Diaoussié, nous avons Adaye Kojouroi, nous avons Diallo, nous avons Devi, nous avons Dez, nous avons de toute façon, nous avons tout ce groupe-là qui constitue le royaume, voilà, ici à Bombi. Ok, Monsieur le Président, je pense que ici, nous vous avons présenté tout le royaume. Et il y a aussi le porte-calme que j'ai dû oublier. Voilà, le porte-calme du roi, il y a le porte-parole du roi également. Donc, si il y a quelque chose à dire, voilà, vous pouvez le dire avant qu'on ne continue. Voilà.
puisque le roi a à vous dire également un mot. Voilà. Président Charles Bleu-Boudi. Le Mitro Taboulou. Le Bodjassou le Poko. Bodjassou le Poko. Le Hermou Yifay. Il y a pas de souci. Yo, t'as voulu tiens mais? Ah d'abord, les d'abord mano. Ah. On s'appelle comme nom. Ah. Les bibel aussi en haut de prison Charles Bleu Boudi. Ah. Les gamins. Ah. Les hommes peuvent amener. Ah. D'accord. Vas-y. Monsieur le porte-parole. Voilà, le porte-parole du roi Michel de dire au président qu'il veut lui parler. Monsieur le président. Yo, c'est le tien, mais voilà. C'est un peu le mango. Ah ah. On ne pas encore. Ah ah. Moi, je vais faire du coup. Ah ah. Moi, je vais faire du coup. Ah ah. À ta boutique. Ah. Donc, je vais faire. Mais là. Ah, est-ce que tu vas y aller? Voilà, le roi me charge de vous dire que c'est une grande joie pour lui. C'est vrai, lorsqu'un de ses enfants l'abandonne ou le quitte, pour un moment, il pense bien, et qu'il revient, c'est une grande joie pour lui. Il l'accueille, donc c'est une joie pour lui aujourd'hui. Amen. Et plus de cela, le roi me charge de vous dire qu'il priera pour vous. Partout, les chemins, les artères que vous allez emprunter en Côte d'Ivoire, que vous ne connaissez pas de taille. Comme on le dit. Et Dieu, parce que toutes les paroles qui sortiront de vous, toutes les paroles qui sortiront de votre bouche, ne puissent pas désunir, mais puissent toujours unir, afin qu'on puisse rassembler votre bouche. Que tous ceux qui ne vous aimaient pas, aujourd'hui vous êtes arrivés ici, que vous puissiez en tout cas être en harmonie. Tous les vieux, les vieillards qui ne vous aimaient pas, qu'à partir d'aujourd'hui, on puisse être un. Je vais donc vous boire le tourbillon. Je vous sais pas quoi de bon. Les frères, pas d'assouli. Que Dieu fasse que vous retournez en paix. Que Dieu vous épargne en tout cas de tout danger. Voilà qui vous dit merci. Ah, oui. La boule dit vivant. Monsieur le ministre, comme le conseil, le ministre d'État. D'accord, mais vous voyez. Là, vous voyez, dit vivant. Charles le Boudé. Oui, les frères. Et d'accord, donc. Allez, rien. Ah, ouais, Mais tu commences à faire un peu de temps. 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 Tu commences à faire un peu de
Monsieur le Président, faut dire que pour votre venue, il y a le roi qui a appelé son petit-fils, monsieur le ministre d'État, Obinna Kwasi Adjumani, pour lui dire que vous allez venir. Il dit celui qu'il a, ce qu'il a un peu épinglé, c'est que vous-même, vous ne l'avez pas appelé. Sinon, lui-même, il serait chargé d'organiser, en tout cas, votre venue ici. Donc, c'est ce qu'il a un peu fait mal. Et je pense qu'il est d'accord pour que vous soyez, en tout cas, celui à mon avis, il est heureux. Donc, il vous dit merci. D'accord. Donc, monsieur le Président, non, si vous ne comprenez pas, vous me dites, je vais. Voilà, d'accord. Merci bien. Donc, voilà, monsieur le ministre d'État dit, vous êtes son étranger, si vous voulez dormir ici à Bondoukou, à Mombi, vous êtes ouvert, vous pouvez venir, et il y a les clés qui sont là, vous allez dormir chez vous. Voilà. Allez-y. D'accord. C'est au sujet. Oui, c'est ce qu'on venait de dire tout à l'heure. D'accord. Concernant le ministre. D'accord. Qui est mon aîné. J'ai dit que vous m'avez éduqué. Vous m'avez bien éduqué. Je sais que ici à Amand, c'est chez le ministre. Et je suis très républicain. Je respecte la République. J'ai envoyé ma soeur, ma petite soeur. Votre fille. Tranquille. L'Agostina Kofi, qui est de Goumeré. Elle a rencontré le chef de cabinet du ministre, Adjumani, qui a dit, s'il était là, il viendrait ici. Mais il est en dehors de d'Ivoire. Donc, on a parlé. Je l'ai averti. Donc, il sait que je suis ici. Et j'ai pris la démarche qu'il fallait. Le ministre, c'est un ministre. On n'appelle pas le ministre comme ça. J'ai été ministre et je sais de quoi il s'agit. Pour arriver chez le roi, pas chez les notables. Les notables du ministre sont ses chefs de cabinet, sont ses directeurs de cabinet. J'ai eu son directeur de cabinet. Et j'ai envoyé. On a même les photos qu'ils ont pris ensemble. Pour que je ne mette pas le roi mal à l'aise. Mais le plus important, c'était que je mène cette démarche de politesse, d'élégance politique. Parce que pour moi, dans ce pays, on peut ne pas être du même bord politique. Mais avant tout, on a la Côte d'Ivoire en commun. Et qui plus est, le ministre et moi, on a le pays pour l'envoi ensemble. Je voulais dire au roi, le ministre Adjumani, c'est mon grand frère. Et selon les règles et l'éducation Koulongo, je lui dois respect. Ça n'a rien à voir avec notre débat politique contradictoire qu'on va mener plus tard. Mais c'est à la maison ici que nous parlons, on finit toujours. Merci, président. Merci. 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 Envoyez le bout de sa confrère. Ah, d'abord, bon, blâme, crescent. Envoyez mon da, mon oui, d'abord, bâtiment. Bah, tiens, mes vrais que mon voix, Satan, les guérites, d'abord. Voilà. Ah, vous dites, moi, ça. Bon, vous dites, dame, voyez, vous voilà. D'accord, dame, vous êtes, vous voilà, mon main. Mon, vous dites, le sang, bâtiment. Directeur de cabinet. Ouais, bâtiment, ouais, à bord, à ma nom. Allez, mon son. Il y a un fight. 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 Il y a un f
Lucien, là on est bien présent chaque groupe de Moukane. Là on sent quoi? Au flagbob, Arma, on tourne bob. Le plomb, mon tige l'ayant. La question de la loi, c'est la loi. 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 Monsieur le Président, voilà, je vais juste traduire pour ceux qui sont avec vous. Merci. Donc, le roi dit que vous êtes arrivé. Salut à votre cœur. Effectivement, un fils qu'il avait perdu pendant un moment et qu'il le retrouve. Comme le disait tout à l'heure le porte-parole, c'est comme un fils prodige dans la Bible. Voilà, il est revenu. Ce qu'il peut faire, il vous offre ce bélier que vous voyez. Voilà. Un bélier. Voilà, c'est bon. Voilà. Non, laissez-moi un peu les mettre là-bas. Voilà. Le bélier avec 12 ignames. Maintenant, pour embellir cette fête, parce que c'est une fête que nous sommes en train de célébrer. Donc, il vous donne également ce pain qu'il a pour, avec ses chaussures pour que nous puissions faire la fête ensemble. Voilà le don du roi. Donc voilà, le chef de terre va venir vous donner le pain. Merci. Voilà, on lui donne. Voilà, c'est cool. Allez-y. Rapidement te recevoir, t'accepter comme un fils et te donner un pagne aussi joli que je porte fièrement, te donner 12 ignames, c'est pas 10 ignames, c'est pas 11, c'est 12. Ça a un sens de l'importance que je vais pas vous expliquer. Que nous, les Koulongos, nous comprenons.
Niam. 12. Et pas 13. C'est pas parce qu'il n'a pas plus de 12 Niam. Le roi, il a des grenades d'Iam ici. Il dit tout le monde. Il a dit allez, envoyez toutes les Niam. On a envoyé 12. J'ai compris. Merci. Et il ferait en sorte d'être digne. Il ferait en sorte de marcher droit. Il ferait en sorte de ne pas être la honte d'une région qui m'a accueilli et qui m'a adopté. Président Charles de Boudé. Aussi, Dimbois de Bla, les tableaux,
Vas-y, casse-toi. Uh-huh. Tu goyes, tu commences avec le bonheur. Mm-hmm. Mais le président Chablé, vous êtes tout cas. Le médecin d'Abloro. Le mobile. On dit. Mais on goûte très bien. Vraiment, on goûte d'Abloro. Mais on goûte très bien. Vraiment, bonheur. Mais on ne m'a pas de d'Abloro. On y a un goût. Oh, de. Ama ya les elemi le kan yan sumo we le do bu mi bo mo gba yo bi ha wi ha yi donc je me fais ko do kutim bla le mo tiye li yo ko le ni le yan bo se passe. Il est parti avec moi. Il n'est pas dit en français. Je pense qu'il faut dire. Monsieur le président, je suis d'accord pour que vous partiez avec moi. Aujourd'hui, même mon bagage, je vais en faire. Vous êtes encore une fois, mais il y a trop de temps, mais je veux partir avec toi. Yo. Je suis présent à Chablé pour dire votre chemin. Tabou maman. Présent des jeunes. Je vais pour moi le bureau. Et mon frère est présent de la soupe. Votre sac à. Tu as l'air pour le monde, dis le bon goût. Hobby, t'aimes le moyen, Hobby. De soir à la moussine. Elle est fine. Elle a fait un peu de bini. Donc, on a fait un peu. Maya, je m'en ai un petit gay. Pour être mon bon et ok. Peut-être d'abord, vous souffrez. D'abord, vous allez y aller. L'aïa. Bon, vous aussi, soir. Je veux dire que Poco. Amen. Je me parle de ce qu'il y a fait. Ama contre la voie, bataille. Ama, il y a un coup, soit un homme, un tavel, un logo, un coup, tout le logo va venir Poco. Je veux dire Poco. Amen. Monsieur le président, il vous remercie beaucoup. Il vous remercie beaucoup. Monsieur, si j'oublie. Ok, allez-y, ouais, ça va aller. Il y a un côté bété, il y a un côté blanc. Ok. Le roi vous dit merci pour le geste. Ça lui a donné la chair de poule. Pour un fils qui sort de prison, lui, ce n'est pas votre argent qu'il cherche. C'est le fait que vous êtes déplacé. Vous pouvez rester en route. Vous pouvez dire non, je ne vais pas. Vous êtes venu. C'est ce que lui cherche. Pas votre argent qui cherche. Mais vraiment, il vous dit merci. Le fait que vous êtes là, le roi dit, une seule personne tue l'éléphant. Et puis tout le monde mange. L'argent que tu lui as donné, tu as pris pour lui donner là. Et puis Dieu te rend ça au centre. Dieu te rend ça au centre. Lucien, si j'ai oublié. Oui, il n'y a pas de problème. En fait, je vais un peu enrichir un peu. On dit que le porte-parole disait tout à l'heure, si une personne a tué une perdrix et vous a donné une partie, c'est que ce n'est pas un éléphant qu'il va tuer et qu'il ne va pas vous en donner. Ce qui veut dire, si vous avez pu donner petit, c'est-à-dire quand vous aurez gros, vous allez donner. Et il prie pour vous, pour que vous puissiez avoir gros. Et je pense que il y a un autre détail très important qu'il a dit, que je devais dire, mais j'ai oublié un peu quand il parlait, mais c'est que vous êtes la bienvenue dans son royaume. Vous êtes son petit-fils, vous avez pensé à lui. Il ne peut pas ne pas accepter le geste que vous avez fait, c'est ce que je me rappelle tout à l'heure. Il ne peut pas ne pas accepter. C'est peut-être avoir d'autres idées. C'est pourquoi il accepte. Sinon, il sait dans quelles conditions vous êtes arrivé. Donc, il accepte cette...
voici un peu ce que le roi Ochang vous dit. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Voilà. D'accord, je pense que voilà, monsieur le président, le roi dit qu'il vous donne la route pour pouvoir arranger ce qui est de l'autre côté. Mais pour ceux qui sont avec votre délégation, sachez que partout vous allez passer dans le royaume, on vous donnera 12 ignames. On vous donnera 12 ignames s'ils sont du royaume. Voilà. Donc, monsieur le président va vous expliquer ça un peu plus tard. Mais sachez que dans l'année, il y a 12 mois. Donc, il vous expliquera la suite. Donc, monsieur le président, vraiment, merci beaucoup. Merci d'être venu dans le royaume Bro. Merci d'avoir accepté, en tout cas, de venir sur la terre d'Amondi. Voilà. Allez-y. Mon tableau, le président, là, vous êtes prêts. Monsieur le président. Le prince avec le président. Après, le prince. Voilà.
Prenez son appareil. Prenez son appareil. Ça marche.